Hello tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Donc voici une nouvelle vidéo sur The Last of Us 2. Alors cette fois nous sommes arrivés au studio 13. Donc mais avant ceci, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer les petites cloches de notification pour savoir quand c'est que je mets les nouvelles. Et puis ben on va y aller. Allez, c'est parti. Bon, allez, on sait qu'il faut qu'on arrive à rentrer dans ce putain de bâtiment. Donc, par où est-ce qu'on peut passer? On va essayer par là-bas. Je suis pas très convaincu, mais on sait jamais. Là, on oublie, ça passe pas. Là, on dirait qu'on pourrait grimper par ici, on dirait bien. Ouais, ça c'est pas mal. Encore un petit par ici. Voilà, parfait. On dirait qu'il y a quelqu'un de droit en face qui a été fumé. Ouais, c'est ça. Sinon, il n'y a pas d'infecté dans les alentours. Quelque chose à récupérer dans le coin, on dirait bien. C'est Tommy, tu crois? Viens, on entre. On récupère le flingue, le fusil. Bon, tant pis. Là, il n'y a rien à prendre. On va continuer tout droit. La palissade, c'est mort. On peut pas y passer. Par où on peut. Par où on peut. On a un autre qui a été fumé là aussi. Là, c'est mort, on peut pas passer. Ah, il y a un grillage, pardon, on dirait bien. Bon. Ah, il y a une corde, j'ai pas vu ça avant. Hop, c'est parti, on grimpe. Alors, où c'est qu'on arrive? Channel 13, à première vue, il n'y a pas l'air d'avoir d'infecté. Regardez ce qu'on a de beau à récupérer. Première vue, il n'y a pas grand-chose, grand-chose à récupérer. Tiens, il y en a un autre qui était dézingué. Ah tiens, il y a quand même quelque chose à prendre. Je peux faire silencieux parce que je n'ai plus. Peut être pas mal. Ou ouais. Ah, on va le faire quand même. On sait jamais, ça peut être utile. Le reste, je peux rien faire, j'ai pas assez. Le journal, qu'est-ce que j'ai dans le journal déjà? Bon, allez hop, ça. J'ai que 4 ressources, je vais pas aller bien loin. Non, bon, pas plus. On va continuer. Où il y a une hache, on dirait bien. 4, là il a 4, ça vaut la peine. Ouais, si je pourrais la modifier. Je sais pas. Si je la modifie. Ouais, ça me le remet complet. Ouais, c'est même mieux la charpette. En fait. Ça va faire plus de dégâts, je pense. Bon, ensuite. Passer là-dessous, on n'a pas trop de choix. Il y en a
rien récupéré, malheureusement. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau à prendre? Du scotch, des ressources pour les explosifs. Bien. Une shit, c'est cool. Et on peut faire quoi? Le kit de survie ou un cocktail? Le kit médical, c'est toujours mieux. Voilà. Ah, c'est évidemment pour faire les autres. Ouais, ben c'est un cul-de-sac. Et merde. Pas d'action possible ici. Là, on peut pas. Ça va rien de péter les fenêtres. Parce que là, ça ne changera rien. Passer là en haut dans vers les gaines. Non. C'est trop, il n'y a pas moyen d'accès. Donc on laisse tomber. Ellie, t'en penses quoi? Là, il n'y a pas d'accès non plus. J'ai dû passer à côté, c'est pas possible. Par où aller? Bonne question. Là, il n'y a rien. C'est bouché. Ah, peut-être par là. Si on pète les fenêtres ou quelque chose. Non, là, c'est un... les frigos. Par contre, il y a quelque chose dans les frigos. Ah, une bouteille d'alcool. Ça, c'est bien. Médical. Parfait. Donc, si je saute, je meurs parce que c'est trop haut. C'était prêt. Ça, c'est prévisible. On peut bien avoir un accès à quelque part. C'est pas possible. Forcément par là. C'est forcé. Là-dedans, non. Là, non plus. Oh, bordel, c'est où? Regardez voir ça. Putain, j'ai passé 3 fois à côté, je l'ai pas vu. Oh le boulet. Bon, on est arrivé où? Dans les studios là? Non, ça c'est pas Tommy. Qui a fait ça, bordel? Oh, ça a été pendu Je en tout sais cas. pas. Mais ils ont voulu faire passer un message. Pas à qui, mais ils ont réussi, hein. Tu crois qu'ils sont encore là? J'espère pas. Mais reste sur tes gardes. Alors. Ouf, qu'est-ce qu'il faut à le moment? Qu'est-ce qui est intéressant à prendre? Pas grand-chose, hein. Y a rien maintenant. Non, là derrière non plus y a rien.
on va monter pour aller voir ce qu'il y a de beau. Hein, que... Amène-toi. Pas grand chose en bas. Ah tiens, des ressources, des munitions, ça c'est cool. On a quoi? Un petit tiroir. Qu'est-ce qu'il y a dans le petit tiroir? Rien. Tout ça pour me faire miroiter quelque chose et il n'y a rien. Les armes là, je suis plein. Bouteille, ça c'est bien. Je crois que c'est par là. Ah, il n'y a rien non plus à prendre. Ah si, du scotch, c'est bien. D'accord. Des explosifs. Bon, qu'est-ce qu'on a encore là-dedans? Des ciseaux, ça c'est cool. Ensuite. Oh bah, pas grand chose. Ah, un petit passage. Ah, j'aime pas les trucs comme ça, ça sent toujours les embrouilles qui arrivent. Qu'est-ce qu'on peut se faire? Molotov? Allez hop. Voilà. Sur le bureau, il n'y a rien à piquer. Ah, là, dans l'étagère. Du scotch, parfait. Il n'y a rien non plus. Bon ben là on a fait le tour. Ah si, un kit médical, ça c'est cool. Bon, on va redescendre hein. Là ou bien je vais pas peut-être aller par là-bas au fond. Essayons par ici. J'ai pas passé par là. Bon. Voilà, on est dans le dehors, mais on peut la nulle part. Ah si, je peux passer. Ah, si chaude, ça fait trop. Mais par contre, peut-être sur leur bord. Voyons voir ça. D'abord, la porte. Fermée. Donc, c'est prévu. Donc, voilà. On prend leur bord. Il faut qu'on garde partout. Je veux trouver Léa. Ok, mais... Sois prudente. Attention où tu marches. D'abord, là, il n'y a rien à prendre. Comme le reste, il n'y a quasiment rien. Ouh, il y en a qui se fait fumer, là, en face. Là, c'est tout coincé. Alors... Oh, c'est quoi ça? Nice, un fusil à pompe. Cool. Nouvelle acquisition, fusil à pompe. Ça va faire mal, ça. Sous le bureau, qu'est-ce qu'on a? Des petites, une petite carte à collectionner. C'est qui? Kimi Mela. Ok. Bon bah ça nous en fait toujours une de plus. Hein.
On peut passer par là, on dirait bien. Alors, escalier, évidemment. Là, c'est bloqué, donc pas le choix, on est obligé de grimper. Vient de tomber sur des invités quand même. Pour l'instant, il n'y a rien. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'on a de beau par là? Une bouteille. De l'alcool. Chouette. Un cop. Une carte. Ah, une latte plutôt. Alors. Rue, mon petit doigt m'a dit que l'escargot que tu avais ramené de la côte en parlait, il paraît qu'Isaac est très impressionné par ton courage. Je sais que t'as eu des doutes, mais il faut que tu t'enfonces le clou. Bon, enfoncer le clou maintenant. Montre-lui que tu as fait sur la côte. N'était pas un coup de chance, tu seras tranquille à vie, etc. Enfin voilà. Bon, on verra bien. Rien de bien important. Y a quoi de beau par là piqué? La grande table, il n'y a pas grand chose. Par contre, là-bas, ah si, y a quelques ressources, des armes, nickel. Non, ça en fait un peu le plein. Mis à part faire le plein, on n'a quand même pas assez pour faire quelque chose. Par là, mais j'aime pas quand on trouve une porte juste à moitié ouverte, c'est jamais bon signe. Bah, crotte. C'est elle, Léa. Bah, elle n'est plus. T'en es sûr? Ouais. Faut croire qu'elle avait vraiment un karma de merde. Elle a rien sur elle. C'est le bout d'un sac à prendre. Ici le secteur 2, vous me recevez? 6, répondez. À vous. Une photo, on dirait. Dina. C'est des photos d'eux. Chouette. On va pouvoir les cibler comme ça. Attends. C'est près de Jackson, ça? Putain, regarde les souriants. C'est elle. Celle qui l'a tué. Trois de moins, pas vrai? Unité de soutien Merde. India en route Ah, vers la station on va télé. avoir de la compagnie là. Bon, qu'est-ce qu'il y a encore à prendre? Bon, mon du sang. J'ai les nerfs qu'on n'ait pas pu lui parler. Ouais. Mais elle avait rien fait à Joël. Je trouve que ça aurait été moche de la forcer à parler. On va elle a descendre. Parcouru des centaines de kilomètres pour le torturer. Je me fous de savoir si c'est elle qui l'a achevé. Parfait. Je comprends. Tu veux qu'on se plante quelque part pour examiner ses affaires? Ah, pas le temps de se planquer. Peston. Ça arrive. Bordel. Ils sont tous morts. Ces enfoirés de Scar les ont tués. On se déploie. Il y a peut-être encore des Scar dans le bâtiment.
Faites gaffe. Comment on va sortir? Faut que quelqu'un aille prévenir la base par radio. Il y en a comme une chienne, hein. Qu'est-ce que tu fais? Je les fais descendre. Faut d'abord s'assurer que le bâtiment soit vide. Pas question de les laisser là-haut. C'est pas ça qui les sauvera. Alors bouge-toi le cul. Ouais, on va comment. Attention. Je crois que ça va débouler tous les côtés. Alors, où sont les premiers petits enfoirés? Ah, en face. Là, il y en a un. Il va venir vers nous ou pas du tout? Non, je comprends. Non, il y a des munitions de fusil. Après, je vais par derrière, ni vu ni connu. Il va rien comprendre. Allez, hop là, tiens. Hop. Ah, c'est fait. Oh, ouh. Une machette. Ouais, c'est bon la machette. Fais gaffe, à notre droite. Je vais confectionner la machette pour plus de dégâts, parfait. Ouh, à droite en face là. Casey? Je vais voir Pia. Vas-y, cours. Si tu viens gentiment vers moi, je peux te choper tranquille. Quelqu'un, tu vas rien comprendre. Quadriller la zone. Faut qu'on arrête ça. Hein. Ici, là. Ah merde, enculé. Ah, je t'ai pas vu. Allez, tiens. Bon, par contre, il a passé où l'autre? Okay, alors, j'en ai un autre là qui arrive. Ah, il s'était planqué derrière le bureau. Ok, l'enfoiré. Allumez. Allez, tiens. Hop, un de moins encore. Elle est morte. Bon, c'est fait. Par contre, j'ai plus de munitions pour le flinguer après. Droit devant. Attention. Tiens, et hop. Un coup de silencieux. Il a rien vu venir, il s'est pris trois bastos dans la tronche. Alors, un petit silencieux comme ça, ils n'entendront rien. Oh, merde, encore une. Tiens, oh merde, raté. Vas-y, lève-toi. Oh putain, droit dans la tête. Derrière. Ah, tiens, allez hop. Pitié. Y'a pas de pitié. Attaque éclair. Ok. Ça va, du calme. Oh non, ouais. Bordel. En plus, des munitions pour le fusil à pompe, c'est bon ça. Il en reste. Non. Non, non, je crois que je les ai tous fumés. J'en entends d'autres. Par ici. Ah bah non, il y en a encore. J'ai plus beaucoup de munitions. Hein. Bon, on descend, on va passer par où, par là en bas. Allez. On va par où maintenant? Le camp. En suivant les caps, ça peut être pas mal. Ok. Merde, juste là. Je crois qu'il est derrière le mur. Là. Ellie, avancez. Ouais. On va avancer, rien à foutre. Fais chier. On est conçu d'avoir rentré un peu tôt là. Ouais. Allez hop, casse-toi. Pas bien.
Ouais, parce que trop après, c'est pas possible. 5, 6, oui, mais s'ils arrivent une dizaine, non, non. Allez hop, oh putain, ouais. Faut courir, vite, vite, vite. Très vite. T'inquiète pas, je m'arrête pas, je cours. Ah merde, putain, allez hop. Là, j'espère. Oui, nickel. Ouh, c'est bon. Voilà, moi, on est tranquille un petit moment. Ça devrait tenir. On continue. Retrouvez un passage. Allez hop, on voit par où j'aime. Oh, c'est blindé d'infectés, je sens là-bas en bas, plus loin. On met les masques. Ok. Bon bah, va falloir ramper, hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a par là? Faut qu'on avance. Ouais, t'inquiète pas, on va avancer, mais... Tranquille, tranquille, hein, pas se faire défoncer la tronche. Prendre le fusil, on sait jamais. Le fusil à pompe, ça fait plus de dégâts. S'ils arrivent à 2 ou 3 contre moi, moins. On a au moins des munitions au sol. Bien. Là-bas, c'est bouché. Il y a quelque chose posé là-bas dessus, on sait jamais. Voilà, bingo. Ou petite lettre. Enfin, non, même pas. L'alcool et du tissu, parfait. Kit médical, hop. Après, je pense qu'il va falloir passer par le petit portique là. J'espère qu'il y a un passage. Ouais. J'ai cru qu'on y resterait. Je sais. Oh, c'est vraiment tout serré, ça dit donc. Oh, putain. Là, ça, il y en a un. On met les masques et on inspecte toute la zone. Bordel de merde. Ouh, je sens qu'il va en avoir beaucoup là. Ça me plaît moyen tout ça. Des chiens ou des intrudes? Tu es bouché ou quoi? Joe, viens ici. Des claqueurs. Faites gaffe. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de ces intrudes? Des scars viennent de buter toute une unité. Pourquoi on les laisserait pas ici? Les infectés vont les bouffer. Non. Elles ont du mal. Une petite bombe. Tiens. Ça peut attirer les... Ça marche bien mon idée. Comme ça, ils en fument quelques-uns et ils se font bouffer par la même occasion. On a un petit cocktail. Dès qu'il y en a un ou deux qui vont se faire brûler. Donc là, j'ai vu qu'il y en a un qui arrive par derrière. On est deux juste là. Il est parti en courant et l'autre est là. Bien, tranquille. Hein. Sinon, on va se faire. Deux munitions, c'est toujours utile. Après, on va passer par vous. On va essayer de contourner tout ça. Alors, il y en a un juste là. On va le fumer direct. Comme ça, c'est fait. Allez, tiens. Moi, celui-là, il pourra pas me choper. À prendre, c'est pas mal. En bout de bois. Non. Par contre, ce qu'il y a dans le tiroir, ça va être bien. Oh, mais putain. J'ai toutes les armes qui sont pleines. Par où on passe? 1, 2, 3, 4.
de juste là en face. Comment je vais pouvoir m'en occuper de cela? Oh bah, c'est bien vers moi, toi. Vas-y, va dedans, je te laisse en occuper. Même pas, on va pas aller plus loin. Je suis sûr. Hop, premier. On s'en bien qu'un second. Voilà, hop, et on a le troisième derrière. Voilà. Trois d'un coup. Bonne pioche. Par contre, il y a ceux qui sont là aussi. Celui quoi. Ah, là, il est juste là. Voilà, derrière. Chiat, enculé. Ouh, c'était bon directement dans la tête. Moi, j'ai plus de silencieux, par contre. Si, je l'ai encore, c'est bon. Oh, t'es où, là? Putain, juste derrière moi. Chiat, t'as mis où? Là, tiens. Ah, ben, ah oui, le truc est foutu, donc je suis mis au couteau. Par contre, il en a un news là, ça, c'est bon ça. Une nouvelle machette. Ok. Faut pas qu'on traîne trop longtemps dans le coin. Ouais, je peux rien faire de plus. Tout ce que tu peux. Et après, on bouge. C'est encore une chier de boucan. Hein. Je pense qu'il y en a encore une chier qui rôde par là. Par où passons? Par où on va aller? Il faut qu'on passe de l'autre côté, à mon avis, pas trop le choix. Par contre, là, une, de la mune, c'est toujours bon de la munition. Ça se fait rare dans ces temps durs. Une bouteille. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Une petite bombe. Une grenade, ça c'est bon. Une fusée à pompe. Ah, un petit peu. Issu. Après, qu'est-ce qu'on a par là? Rien. Ah bah, c'est bouché, on peut passer par là. Bon, vu qu'il y a une jolie lumière rouge flamboyant, je me dis c'est peut-être par là. Hein. Ouais, déjà regardez là-dedans ce qu'on a de beau. Là, oui, il n'y a pas grand-chose à prendre là. Là, si par contre. Pas mal de choses, c'est bon. Voilà, on a fait un peu le plein. On doit passer par là. Ouais, on a fait toute la boucle, mais c'est mort. C'est le seul endroit de passage. Bon, est-ce qu'il y a quelque chose à prendre par là? J'ai cru. Non, non. Au fond, on peut regarder là, on sait jamais. J'ai pas fait de tour par là avant. C'est plein. Il n'y a rien. Là non plus. Non, il n'y a que dalle par ici à prendre. Bouteille, on s'en fout. Parce qu'on en a déjà aussi. Bon, on va passer par cette jolie petite porte. Qu'est-ce qui nous attend encore derrière? Allez, vas-y, ouvre-toi. On garde appuyé le triangle. Vas-y, ouvre. Oh, oh, ça a appelé du monde. Allez, vas-y, vas-y, ferme-toi vite. Voilà. Oh,
On y va. Ouais. Est-ce que ça va? Ouais. Tissu. Merci. Des trucs. Alors. Je suis vraiment con. Le cocktail Molotov. Faire, ça c'est fait. Il faut le camp. On va comprendre ça là-dessous. J'aime pas, c'est trop tranquille. D'habitude, quand c'est trop tranquille, ça annonce les emmerdes. Ah, des petites pastilles, des petites pilules pastilles, hein. Là, il y en a encore. Oh, c'est une impasse. Peut-être par ici. Bon, qu'est-ce que c'est que ça? Jules. Ok, je le... Bon. Elle a dit par où? Ouais. T'as entendu comment il nous appelait? Scar. Ouais. Je me demande si c'est les Scars qui ont fait tous ces graffitis. Et qui ont étrippé tous ces wolves. Putain, il n'y a que des tarés dans cette ville. C'est clair. Bon, bah, faut passer là-dessous, hein, pas le choix. On peut passer par là. Il y a un truc où il y a l'autre qui va nous sauter dessus. Putain de merde. En sens, ça a l'air bon. Bon, bah, on continue alors. Une petite carte à collectionner. The Imp. Ok. Rien d'extraordinaire, mais bon. Toujours une de plus dans la collection. Bon, passer par là, mais j'aime pas. Rouge flamboyant là. Ça annonce les grosses emmerdes. Ça, c'est quoi, il y en a un qui est croché dans les ferrailles? Donc, c'est quoi ça? Bordel! C'est-à-dire qu'il était cramé. J'ai vu un truc pareil. Les colosses balancent des spores acides. Mais j'ai pas l'impression que c'en soit un. Ouh, donc c'est encore plus gros qu'un colosse. Je sais pas contre quoi ils se battent, mais on devrait les laisser s'entretuer. Je suis d'accord. Bon, on a vu, on est coincé là, il n'y a pas de passage. Bon, j'ai vu une échelle avant, voilà, elle est là, parfait. Moi, toujours dit, quand tu sais pas où aller, il faut prendre la hauteur. S'il y a possibilité. Changer. Ouais. Ouvert, c'est fermé, on change, change pas. Déplacer. C'est quoi le plan? Allez hop. Balance, il y a une autre échelle de balance la corde par-dessus. Ok. Comment on fait pour y aller? Hop, ça c'est fait. Non, on se lance. Ça va le faire. J'en arrive. Alors d'abord, on va regarder ce qu'on a là-dedans. Bon, modifier. Ok. Pour modifier nos petites armes. Par contre, il y a des petits ustensiles. Non, j'ai pas vu. Est-ce qu'on peut améliorer? Non, on peut rien faire, on a que un. Donc, laisse tomber, mon grand. Bon. Par contre, il y a quelque chose. Ah ouais. Il y a quand même deux, trois trucs. Pas suffisamment pour faire une modif, mais.
Il y a deux, trois petites choses intéressantes sur l'étagère. Bon, alors. Déplacer. Non, il faut pas déplacer, il faut lancer. Bon, on relance. C'est tout pied dessus. Voilà. J'aurais pu descendre puis grimper. Hein. Alors, faut maintenir R1 et L pour se déplacer. Ok. Et qu'on a ajouté X pour sauter. Alors, bien compliqué, hein. Ou juste le faire, c'est tout en fait. Bon, allez hop, on continue par notre petite échelle, on grimpe. L'échelle est pétée. Comment vous passez? Fais chier. Non, je ne sais plus. Un truc à prendre, une conduite de ventile. Préparez-vous, il y a une grosse galère qui vous attend. Voilà. Alors, c'est quoi? Mode écoute netteté. Ouais, c'est Aramis. Si on peut les voir bien net, ce serait cool. Bon, alors, après, on passe par là-dedans. Tina, par là. Oh, un truc. Tout ça. Puant, c'est bien ça. C'est bon, je m'en occupe. Allez! Oh là là, c'est quoi son genre? Oh putain, ça dégage une chier de sport, on dirait. Putain de merde. Et par où on passe? On va passer là-dessus tout gentiment. Ouais, j'y vois gros comme une maison qu'on va encore mettre tomber. Bon, on peut passer, donc on va faire le tour. On peut pas passer. Non, pas dans la bouche. Merde, je suis coincé. Voilà. Bon, là je peux pas passer non plus. Par où est-ce qu'on passe? Ben, par là, je pense, faut descendre. Qui est ici en claqueur ou c'est en puant? En puant. Ça fait son gueule ce machin. Derrière.
au fond. Putain, il y en a un autre. Comment on va passer? Là, je me mets là. Ok. Et là, c'est le client. Ouais. Ah ouais, c'est quoi ce machin suspense? Ah, il a l'air de me renifler en fait. Ça sent la merde, ça. Pas bon. Si je crame. R2 sans UC pour effectuer un lancer rapide. On va voir. T'as pas l'air de le connaître. Oh putain, il y en a un deuxième. Oh non, ça sent pas bon. Oh, ça sent pas bon ça. Allez, allez, vas-y, casse-toi. Allez, vas-y, appuie, appuie. Non, putain, je suis coincé. Allez, vas-y, casse-toi, casse-toi. Bah voilà, j'ai cramé. C'était pas le bon truc. Faut essayer de passer en furtif. On n'a pas le choix. Là, c'est tout du furtif, là. Donc on va recommencer, mais en mode furtif, en évitant que le puant nous renifle et que les autres nous chopent. Alors, j'en ai un ici. Ah non, allez. Ceux de là. Les coureurs, les claqueurs, je m'en fous un peu. Mais les puants, alors c'est une vraie saloperie alors. Ils te reniflent, puis tu peux pas les niquer comme ça. Alors on en a un là-bas. Ok. L'autre, il est par là. En fait, faudrait que les deux soient là-bas dans l'angle. Ça, je pourrais passer par le couloir. Donc on va attendre qu'ils foutent le camp qui passe de l'autre côté. En espérant qu'ils viennent pas par ici. Ah, ils se cassent au bon endroit, c'est parfait. On passe dans son dos, ils n'en renifent pas. Nickel. On va vite passer par ici. Ça c'est un cours hein. On a infecté donc c'est pas le souci, c'est vite fait. Voilà, celui-là il est fait. Et on va pas retourner en arrière. Il n'y a pas moyen. Ensuite, un petit tour du proprio pour voir ce qu'on a de beau à récupérer. Des petites munitions. Des petits ciseaux par-ci par-là. Exit, c'est bien, mais il y a tout qui bouche et on ne peut pas passer. Là-bas, ok, donc on va pas aller du même côté qu'eux.
peu trois trucs à prendre par-ci par-là. Le dos de fer, ok. Peut-être essayer de l'ouvrir. Bingo. Fais gaffe! Mais vite! Allez! Vas-y, vite! Avant que ça arrive et qu'on les ait en plein sur nous. Donc ça c'est fait. Oh, je déteste ces enfoirés. Ils t'ont eu? Non. J'ai rien. Des puants? Ouais. C'est comme ça qu'ils ont appelé ces trucs? Bah ouais, ouais. Ouais. D'où est-ce qu'ils viennent, ces puants? On sait pas, mais c'est mortel. Ils sont horribles. Alors. Qu'est-ce qu'on a là-bas au fond? Ben, ça a l'air d'être bloqué. Ouais, c'est bloqué. Il doit y avoir un autre passage. J'aime ton optimisme. Il en faut un petit peu, je pense. Hein. Sinon, on reste coincé et on se fait bouffer. Ellie, il y a un chemin ici. Où ? Ça, en chemin ? Ouais, c'est par là que je suis. Ah, je l'avais pas vu celui-là. Il doit avoir des infectés. Ça va aller. C'est qui est là? C'est là-bas, encore là en bas. Là, bien visible. Là, c'est juste un infecté. Donc celui-là, on peut se le zigouiller. On risque pas grand-chose. Et ensuite... qui arrive par ici. Après, dans l'eau ils sont pas, donc on va profiter de passer par là en bas. Là c'est du 1, c'est lié. En fait j'ai fait le tour, ça sert à rien. Non, droit en face, on dirait bien. Je sais qu'on en a un là-bas, donc on va même pas y aller. L'autre vidéo, juste là. Par où qu'on passe? Là il arrive droit en face sur moi, donc il faut qu'il fasse demi-tour pour être tranquille. Donc, il n'est pas descendu, c'est bon. Voilà, on est parti. Vas-y, casse-toi. Passer par là en bas, c'est bien. Parce que si je viens ici, je vais tomber sur l'autre, non? Enfin, j'ai fait toute une boucle pour arriver. En fait, celui-là que j'ai essayé de contourner, c'est le premier que je voulais contourner, c'est celui-là que j'ai réussi à voir maintenant. Ok. Donc j'ai fait toute une boucle à la con pour rien.
Moi j'aurais pu passer directement par ici, puis c'était fini. On essaie de passer à côté de lui sans qu'on se fasse choper. Vite, on va aller vite dans l'eau. Il y en a un qui arrive, donc celui-là on peut se le faire. Donc ça c'est fait. Ensuite. Voilà le petit passage qu'on cherchait tant. Ah non, merde, je suis revenu en arrière. Bon, faut attendre qu'il parte, puis on peut redescendre de nouveau où on est arrivé. Voilà, casse-toi. Vas-y, marche droit devant toi et te retourne surtout pas. Bon, comme ça, on redescend. Là, il y a un infecté, donc celui-là, je vais pouvoir me le faire aussi. En plus, il y a le joli petit panneau exit, c'est parfait. Donc, dans la logis, la sortie est droit en face. Allez, ciseaux, en plus, c'est parfait. Alors, tac, et après, station exit, parfait. Allez, hop. Ça va bien aller. Voilà, bloqué, c'est bon. Et là, on arrive à la sortie. Magnifique. Enfin. Bon, faut encore sortir de là maintenant par contre. Ça, c'est encore autre chose. Est-ce qu'il y a des infectés par là? Il n'y a pas. Hein. Non, non, il n'y a que dalle, donc il n'y a plus qu'à sortir du souterrain. Voilà. Bon. Mais t'es vite, on s'en fout. Putain. Je me demande s'ils ont fonctionné longtemps après le début de l'épidémie. Ouais. Je vois de la lumière par là. On peut grimper là en haut. Non, ça n'a pas l'air. Ah si, peut-être sur la caisse. Voilà, parfait. Dina? Ouais, j'arrive. Regardez s'il y en a quelque chose quand même qui traîne. Ah bah oui, non mais c'est plein. Je suis complet. Bon, on se rapproche de la lumière. On va grimper là-haut encore. Hey, je vais t'aider à monter. Ouais. Infecté en plus. Il avait une vie à plus qu'à réparer car elle casse pas casse pas vite. Dina, stop, stop. Quoi? Non, mais les non. Arrête. Je suis pas infecté. Bon, c'était juste, hein. Je suis immunisé. Je tousse pas. Regarde.
Ah, on sait, depuis le premier. Dina! Oh putain, il y en a une chier, va falloir courir très vite, très 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 très, très vite. Allez, vas-y, vas-y, ma grande. Ouais, tiens, toi déjà récupère ça, allez, casse-toi vite. Ellie! Allez, hop. Putain, l'enculé m'a chopé. Allez, hop, carré, 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 vas-y, vas-y, vas-y. Ouh, c'est bon, ça. Nickel, Dina. On se carapate d'ici, mais une vitesse grand V. Par-dessus, c'est ça. Et en plus, ça peut passer partout. Hein. Les enfoirés. Et hop, allez, elle tient, ramasse, vas-y, hop, en dessous. Et cours vraiment. Allez, hop, hop, allez, 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 allez. Allez, vas-y, passe là-dedans, allez, dépêche. Allez, 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 non, non, on va me choper, enculé. Allez, parfait. Ouh, c'était moins une. Moins une, on était grillé. Ouh, c'était just tout ça, hein. Dina. Allez, vite, on se casse vite. Bon. Ouais. Et si on se reposait dans ce théâtre? Le théâtre? Ah, ok. C'est une putain de bonne idée. Tu m'étonnes que c'est une putain de bonne idée. Tu es presque. Je te tiens. Attends là. C'est bon? Allez! Vas-y, force. Encore un petit chouï. Il y a presque. Voilà. Il y a personne. Tu peux me dire ce qui se passe au juste? Tu me demandes ce qui se passe? Bah ouais. Ellie, je viens de te voir inhaler des spores. Parfait. Je te l'ai déjà dit. Elle est immunisée. Je suis immunisée. C'est ça. T'es immunisée. Arrête, je t'en prie. J'ai été mordue, il y a déjà longtemps. Mais putain, de quoi est-ce que tu parles ? J'ai été mordue et il s'est rien passé. La brûlure à ton bras. C'est ça. T'as tout compris. Maria et Tommy... et Joël sont les seuls au courant. Était. Toi aussi maintenant. Je suis pas contagieuse, si c'est ça qui t'inquiète. Mais je peux pas t'immuniser non plus. Je crois que je suis enceinte. Oh, toi ! Ah bah voyons ! Tu m'étonnes. Elle dégueule, elle est pas bien. Voilà. Il est pas de toi, je te rassure. Ah, c'est toujours mieux, parce que deux filles faire un enfant ensemble, c'est compliqué. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Physiquement, c'est compliqué. Rien. Il faut seulement que je me repose. Oh, c'est pas vrai, tu te fous de moi. Depuis quand t'es au courant ?
seulement quelques semaines. Seulement quelques semaines? On aurait pu... On aurait pu faire demi-tour. J'en savais rien, J'en étais pas sûre, ok? Je voulais pas devenir un boulet, d'accord? Alors là, bravo, t'as bien raté ton coup. Je vais aller... m'assurer qu'il y a personne dans le coin. Repose-toi. Bon, bah voilà mes loupios, on va s'arrêter par là gentiment pour aujourd'hui, je pense qu'on a déjà fait un bon petit bout. Alors si jamais, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, et puis à tout bientôt. Allez, ciao ciao.